fait, je suis vraiment un malade parce que regarde, je suis tellement bête. Je reçois parce que j'ai acheté une Golf R. Je suis tellement illogique. Je me serais dit, vas-y, la TCR, je la laisse d'origine parce que c'est une TCR, c'est cousu main. Et la Golf R, je lui fais le bol stage 2. En fait, non. La Golf R, je vais la laisser d'origine. D'ailleurs, je reçois plein de questions parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont qui êtes abonnés à Binge Royer. Et en fait, lui, dans sa story, aujourd'hui, il va livrer une Mégane RS ultime. Et en fait, beaucoup pensent que c'est la mienne. Non, malheureusement. Chier dedans! Ça change quand même le bruit, parce qu'il faut savoir que la mienne, elle a le FAP, hein, qui va dégager d'ailleurs jeudi prochain. Hein. Mais ça change quand même le bruit. C'est plus rauque, tu vois. Qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, c'est pas dans ce tunnel où il y a tous les radars là? Maman, Zénière, carrément, l'auto, c'est mort. Attends, Michkine. Je dois aller où là? Créteil, c'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, voilà. Tout le monde pense que. Enfin, tout le monde non, mais j'ai reçu quand même une vingtaine de messages. Ah, tonton, trop bien, tu vas chercher ta ultime. Bah non! Non! C'est pas la mienne! Non, en fait, pour la petite histoire, incroyable, moi dans ma tête, je m'étais mis fin du mois. C'est ce que je vous avais dit. Ben m'appelle il y a 3 jours en me disant « Maman, Seigneur, la voiture, elle est prête, on peut juste aller la chercher. Il manque juste mon transporteur, il n'est pas dispo cette semaine. » Je dis « Bon, surtout pas, papa. » Attends. Je vais quand même me mettre en sport pour voir si ça gueule plus ou pas. Je vais chier dedans, carrément. Ah, tu l'entends quand même, tu ça souffle, là. Si, 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 ça, tu l'entends. Ça souffle beaucoup plus. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, c'est con quand même, ah, ça marche bien, j'aime bien. Allez, décale-toi, papa. Donc Ben, il me dit, frérot, le seul problème, c'est que j'ai pas de transporteur dispo avant la semaine prochaine. Je dis, bouge pas, frérot. En une minute, je vais trouver tout. Camion, transporteur, chauffeur, la guerre. Donc là, Ben, il me dit, vas-y, farci, frérot, c'est parti. Et à la base, on aurait dû, bah là, le transporteur devrait déjà être sur la route. Mais Ben m'appelle hier en me disant, frérot, laisse tomber, oublie, le concessionnaire n'est toujours pas prêt à livrer la voiture, frère. Donc en fait, c'est repoussé. Ça, c'était la petite histoire. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a donné la date que je ne dirai pas parce que je vais me porter la choumoune. Mais voilà, là, cette semaine, je vais laisser Ben tranquille. À partir de vendredi matin, 8h, ça va commencer. Ouais, frérot, ouais, farci. Ouais, frérot. Après, tu vas appeler Ben. Ben, quand tu le pousses un peu, il commence à être aigri. Ouais. 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 T'inquiète pas. Chier dedans. Ça marche, ça rase quand même. En vrai, hein. C'est qu'on dénigre, c'est qu'une Golf, machin. Ça marche, hein, quand même. T'as vraiment moyen de t'amuser, ça, c'est clair. Tu vois. Après, voilà, je suis dans les limites, tu vois. Donc là, le bon Ben, frérot, je vais le laisser cette semaine tranquille. Et à partir de vendredi matin, je vais commencer à lui faire un travail psychologique avec un appel toutes les 8 minutes. Alors. Non, c'est un bon frère. Il fait les choses bien, tu vois. C'est, pour moi, c'est de la crème de travailler avec des bons gars comme ça parce que Ben, ça doit faire maintenant presque 15 ans qu'on se connaît. Tu te rends compte, en 15 ans, je dis pas qu'on a dîné ensemble tous les soirs, mais en 15 ans, il m'a jamais fait un truc bizarre. Jamais. C'est pas un truc, c'est pas, pour moi, c'est un truc de ouf. En 15 ans, pas une bizarrerie. Tu vois? Donc, comme quoi, hein. Donc voilà. Ben, je te fais une fleur. T'as une rallonge de 24 heures. Attendez. Je vous vois venir parce que j'ai évidemment, ouais, t'es dans ta période Golf, etc. Non. Non. C'est simplement, par exemple, pour la Golf R. Bah en fait, c'était un frangin de la communauté qui l'a déposé en dépôt-vente chez AKR. Moi, j'ai vu la voiture. Frérot, elle est full option, elle est belle, elle est maman zénia. J'ai dit non, ça, je te l'achète direct, je suis obligé de l'acheter, frère. Je vais lui mettre les belles jantes noires, les vitres teintées à mort, le beau pare-brise irisé, la belle plaque W du tonton, rouler jeunesse, frère. Et dans 2 semaines, je dis, ah, moi, j'aime plus. Enfin, tunnel. Tunnel! Tunnel! En fait, tu vois, ce qui est très con, c'est quand une voiture est d'origine, je roule doucement. Mais je roule doucement, là, j'étais dans les limites encore. C'est juste que là, tu vois, je vais rentrer à la maison me calmer. Ça vaut mieux, frérot. Et ce putain d'arbre magique, bubblegum, je peux plus me le piffrer.